Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble comment réaliser le chiffre 9 avec des élastiques et sans machine. C'est parti! Au niveau du matériel, il nous faut des élastiques couleur au choix, deux fourchettes et un crochet. Donc on commence par prendre un premier élastique que l'on enfile sur nos deux dents de droite. On fait un 8 et on repasse une fois. On refait un 8 et on repasse deux fois. De cette façon, on a l'impression d'avoir trois élastiques en tout. On reprend deux élastiques que l'on enfile sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec notre crochet maintenant, on vient attraper nos trois élastiques du bas pour les faire passer par-dessus nos deux élastiques du haut. Ça nous donne ceci, on place les fourchettes dans ce sens, on décroche complètement nos deux élastiques et on vient les recrocher sur nos deux dents de derrière. On continue avec deux élastiques encore que l'on pose sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on va venir attraper les quatre élastiques qui sont en dessous et on les fait passer par-dessus. On retourne nos fourchettes, on décroche complètement nos deux élastiques et on vient les recrocher sur nos deux dents de derrière. On recommence. Deux élastiques que l'on enfile sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on va venir attraper nos quatre élastiques qui sont en dessous et on les passe par-dessus. On place nos fourchettes dans ce sens, on décroche complètement nos deux élastiques et on vient les recrocher sur nos deux dents de derrière. On va recommencer la même chose et comme il faut le faire plusieurs fois, je ne vous l'explique pas, on se retrouve quand on a terminé. Maintenant qu'on a fait ça, on va tirer sur le tout et on va compter 1, 2, 3, 4 boucles. Et on va prendre la quatrième dans laquelle on va venir y passer nos deux dents de droite.
Donc on écarte le tout et nos deux dents de droite passent dans notre boucle. Et donc là, on a enfilé 4 élastiques en tout et on se retrouve avec 8 élastiques sur nos deux dents de droite. Ensuite, on reprend 2 élastiques que l'on enfile devant et derrière sur nos deux dents de droite. Avec notre crochet, on va venir attraper nos 4 élastiques qui sont en dessous et on les fait passer par-dessus. On retourne nos fourchettes, on décroche complètement nos deux élastiques et on vient les recrocher sur nos deux dents de derrière. On reprend deux élastiques que l'on enfile devant et derrière sur nos deux dents de droite. Avec notre crochet, on attrape les 4 élastiques qui sont en dessous, on les fait passer par-dessus. On retourne nos fourchettes, on décroche complètement nos deux élastiques, on vient les recrocher sur nos deux dents de derrière. Voilà, on va refaire la même chose plusieurs fois, je ne vous l'explique pas. On se retrouve quand on a terminé. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait tout ça. On va continuer avec un élastique que l'on enfile sur nos deux dents de droite, devant et derrière. Avec notre crochet, on va venir attraper tous nos élastiques qui sont en dessous et on les fait passer par-dessus. On retourne nos fourchettes, on décroche complètement notre élastique que l'on vient recrocher sur nos deux dents de derrière. Du coup ici il nous en reste deux, on attrape celui du bas, on le fait passer par-dessus celui du haut. On n'a plus qu'à serrer et à décrocher.
On va maintenant travailler nos élastiques pour que ça prenne forme. Et on va avoir terminé. Donc voilà, nous avons terminé notre chiffre 9. J'espère qu'il vous plaît, que la vidéo elle aussi vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. De mon côté, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tutoriel. Bye!